1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la danseuse qui exécutera les 8 arrières. Vous, danseur, votre rôle est de la conduire. Vos pas sont simples. Pied gauche-côté en diagonale. Venez fermer le pied droit au gauche, sans poser et recommencer. Côté assemblé. Fille, vous démarrez pied gauche croisé derrière. La danseuse reste les épaules parallèles au danseur et ne pivote que sur le pied d'appui, la torsion partant du bassin. Regardez attentivement. La danseuse est poussée par son cavalier. Elle ne doit pas partir toute seule. Elle reste à l'écoute du guidage du danseur. Pour cela, pensez toujours à offrir une résistance vers votre cavalier. Les filles, pensez à vos pivots. Allongez la jambe arrière, transférez le poids du corps sur celle-ci. Ramenez l'autre jambe sans poser. Le pied reste libre. Pivotez les deux jambes collées et de nouveau, allongez le pied libre sans toucher le sol. La torsion part du bassin. Les jambes sont tendues, mais souples. La jambe libre vient se coller à la jambe d'appui. Pivote avec elle sans poser le pied qui lui reste flex et ne continue son trajet qu'une fois le pivot totalement exécuté. Remarquez que les pieds des danseurs, filles et garçons, s'ouvrent et se ferment en même temps. Ouverture, pivot pour la fille. Ouverture, de nouveau pivot, le pied flex. Ouverture, et ainsi de suite. Remarque importante, le danseur doit toujours essayer d'aller se rapprocher le plus possible des pieds de la danseuse. Garçon et fille se trouvent avoir les pieds fermés et écartés en même temps. La main du danseur n'effectue aucun mouvement. La main du danseur ne joue aucun rôle pour guider la fille. Les trois secrets de la réussite des 8 arrières sont, pour vous garçons, toujours pousser régulièrement au niveau de la poitrine. Effectuer un imperceptible mouvement contraire du corps, épaule opposée à la jambe, pour aider au balancement des 8 arrières de la fille. Toujours chercher le pied de votre danseuse et chercher les diagonales. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.